Salut la vidéo, salut les viewers. Alors, on reprend Graveyard Keeper là où je l'avais laissé la semaine dernière, du coup. J'ai pas joué à autre chose entre temps. Donc les missions principales, c'est toujours les mêmes. L'astrologue, les outils de restauration, j'ai un tout petit trou de mémoire, mais je sais qu'on en a vu récemment. Je crois que c'était dans la crypte. Mais bon, de toute façon, là on est à la fin du jour de la lune de l'astrologue, donc c'est trop tard. L'inquisiteur, pour me débarrasser des gardes, c'est ce que j'ai fait dans la dernière partie de vidéo. Il faut que je fasse enfin, il faut que je remplisse mon stand de nourriture, enfin de hamburger et de bière, mais je peux pas encore faire de la bière. Je sais pas si c'est l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Si je peux faire genre ouais, j'ai fait le sang, ça va ou pas. Pour serpent, le saut de sang, je crois que je lui ai déjà donné. Maintenant c'est les clous ensanglantés. Le marchand, pour son remède, bon, la licence commerciale c'est encore cher, mais pour le remède contre la malédiction de la perte de goût, Clotho nous a dit comment faire des épices, voilà, qui est censé être le remède pour la maladie, la malédiction du marchand. Ces épices, du coup, il y avait comme ingrédient du sel et une poudre de santé ou de vie, je ne sais plus trop. Je crois que je vais abandonner le fait de créer la poudre moi-même. Je vais lui acheter. Ça ira plus vite. Voilà. Mademoiselle Charme, faut que j'améliore avec Serpent, donc faut donner les clous ensanglantés. L'évêque, faut améliorer l'église, mais j'ai un peu la flemme. Et apporter les poissons de qualité. Après, Oradric, le tampon pour la viande, que j'aurais pas forcément besoin vu que du coup je vais faire des hamburgers, donc c'est pas pressé, on va dire, c'est plus pressé. Le baron gitan, c'est aussi des poissons de qualité. Argent. Voilà. Bon bah c'est parti alors. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Ce que j'ai sur moi, ce que, oui, juste un truc que j'ai remarqué, c'est la carte. Du coup j'ai vraiment exploré tout quoi. Là où la carrière c'est la zone de production. Le domicile est juste ici en bas à droite. Donc il y a quand même pas mal à se déplacer entre les deux. J'ai un zombie dans la morgue normalement. Un non-mort dans la morgue qu'il faudrait que je mette à la carrière. Pour que lui fasse des allers-retours, je pense. Ou alors je le mets au bois. Bref, je peux faire encore un ou deux zombies. Je crois que c'est deux. Je crois que je peux faire encore deux zombies. Il faut que je regarde mes stocks en fait. Et après, il faudra que je fabrique du produit à non mort. Donc soit je peux pas encore, soit voilà. Du coup, je les mettrai au bois, je pense, pour le moment, les deux. Puis après, je répartirai un à la ferme et un peut-être à faire des allers-retours avec la carrière ou ce genre de choses. Voilà. Le village, tout ça. Non, bah c'est parti. Hein. Du coup, objectif, faudrait aller voir Clotho, faudrait faire le... Voilà, le sel, il est là. Fabriquer un broyeur alchimique, sinon... Ok. Ou les cendres aussi, mais les deux on peut les fabriquer en cramant des gens. Voilà, oui. Je peux faire deux. J'ai deux jus de zombies, donc je peux faire deux zombies encore. Et fabriquer à l'établi alchimique pour un zombie ou établi d'alchimie. Donc établi alchimique. Non, ça doit pas être là. Ça doit pas être là non plus. C'était le premier. Ah oui, anatomie et alchimie, j'avais pas vu. Étagère mortuaire, prière de repos, étable d'enrôlement, je l'avais pas vu en haut. Établi d'église, injection d'acide, injection de lessive. Décor. Fluide d'embaumement, anatomie, poste de préparation, palais de double. Maître alchimiste, distillation, stockage d'alchimie. Donc l'établi d'alchimie est ici. Donc soit je l'ai déjà, soit je peux le fabriquer.
aller voir Clotho tout de suite. Je vais d'abord regarder mes stocks, tout ça, mettre le zombie en place. Parce que aller voir Clotho tout de suite, ça me paraît un peu... Ça, c'est l'établi d'église. Ça me paraît un peu tôt, quoi. On va dire, table d'études. Donc l'établi d'alchimie, j'en ai pas encore. Mais c'est ça qui va me permettre de produire des zombies. D'accord. Il faut les verres avancés, les fioles coniques avancées. Le broyeur d'alchimie est là. Les fioles coniques avancées, elles sont où? Là. Il faut 30 de bleu. J'ai largement pas assez. Et c'est peut-être pas non plus le premier à faire. À 30 de bleu. Pour avoir des zombies. Quoique, si on veut des zombies, du coup, on va peut-être accélérer tout ça. Ici, je suis à 11. Comment je peux faire pour améliorer tout? Ah, j'aime pas. Candélabre mural, je pouvais pas en faire. Je crois que le confessionnal prenait toute la place. Il faut 16 planches et 6 pièces de fer complexe. Il me faut des hamburgers, bien que je trouve la viande quelque part. Ça enlève un crâne blanc. Faut vraiment que je le note quelque part. Et un crâne, ça rajoute un crâne rouge. Ok. Donc les deux sont pas forcément très bien en soi. C'est combien? Ah oui, non, c'est 10 de fois. Combien j'ai de fois sur moi? Combien j'ai de fois? Enfin, sur moi. Dans mes stocks. Je crois que j'avais tout mis ici. 9. Oh, mais on est le jour de... la prédication, du coup ça va être bon. Alors du coup ça va être bon. Si je sors ici, j'ai peut-être du fer, tout ça. Voilà, je suis à 5. Ouhou, 5 de bleu. Je peux faire de la cuisson de la céramique, mais je suis pas trop à quoi peuvent me servir les cruches et les pichets, donc non. Ça m'a pas l'air très très utile pour le moment. Bon, évidemment, ça oui, mais il y a ça avant. Avec 5, je crois que je pouvais faire que le... Non, pas que, mais en ma priorité, le... Ça, là, le zombie jardinier. Priorité, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi le fait de faire de la bière, des chopes de bière, et le fait d'avoir des recettes, des engrais enrichis. De toute façon, je pense, je vais essayer d'économiser pour faire d'abord les engrais enrichis ou les peut-être l'alambic en fait. Et après, comme ça, je mettrai le zombie quand j'aurai besoin de production en masse des ressources. Donc pour le moment, je vais garder, je reprends mon zombie, mon nom mort. Mm-hmm.
En fait, Jerry, il veut plus me parler. Là. Ouais, il a plus rien à me dire. Alors. Je prendrai le miel au retour. De me vider le stock normalement et de me remplir, re-remplir le mien. Bon, on voit son efficacité de travail 5% de crâne. Ok, j'ai dit que je prenais le miel au passage et après le sermon. Si j'ai une abeille, je serai très content. Je ferai une ruche tout de suite aussi. Et j'ai une abeille. Du coup, ruche, qu'est-ce qu'il faut pour faire une ruche? 4 d'os et 6 clous. Et toutes les abeilles que j'ai en stock chez moi. 4 d'os, 6 clous. On va essayer de retenir ça. Est-ce que je puisse pas passer la barrière? Je pensais que les tombes allaient se devenir plus moches plus vite en fait. Alors. Oui. Nous allons prier comme d'habitude. Cadavre qui m'a été apporté. Table de résurrection. Il est déjà pourri. Ah ouais, ça pourrit vite en fait. Peut-être que si je l'avais laissé sur la palette. Un peu la flemme de l'enterrer, il a que deux. Enfin, il va pas me faire monter facilement mon niveau de... comment ça s'appelle, mon niveau du cimetière. Du coup, ça m'intéresse pas plus que ça. On va passer d'abord à la malle. Déjà beaucoup trop sur moi. Ça va pas le faire. On pose ça. Les deux asticots, faut que je les mange. Tout ça. Ah oui, tout ça, fallait que je l'étudie, j'avais oublié. Mais pour étudier, il faut de la foi. Pour avoir de la foi, faut attendre longtemps. Donc faut peut-être que j'améliore l'église vite là. En attendant, je prends ça puisque j'ai oublié qu'est-ce qu'il fallait pour faire les confessionnals. Je pose ça. Je pose la foi et le sermon. Pas les asticots. Je peux poser le jus de zombie. Voilà. Fabriquer. Non, d'ab-
d'abord, il me faut. C'était 6 clous, je crois. Voilà, j'en aurais 3 de trop du coup. Non. Quatre d'os et 8 billes de bois. Et c'était la journée et j'ai pas eu le temps d'aller voir Cloto. Même si j'ai l'impression qu'elle était quand même réveillée la nuit. De toute façon, on va arriver dans le jour de la femme, donc Mademoiselle Charme. Et vu que Serpent n'est toujours pas ami avec nous, il va pas vouloir nous donner son collier. Et ça réduit vite le stock. Hein. Du coup, aussi. J'ai tout ce qu'il me faut. À moins que j'ai totalement oublié moi-même quelque chose, j'ai tout ce qu'il me faut. J'aurais pu mettre des carottes, c'est pas grave. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est... Et au pire, je pourrais même... même préparer les 4 bûchers du lieu de crémation, je sais pas trop comment faut dire, si j'ai trop de bois pour libérer mon stock en haut, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas forcément trop de bois trop vite. Ouvrir, il me faut 10 carottes. J'aurais peut-être été plus rapide de tout prendre et de tout poser sauf 10 ou d'en prendre 10 d'un coup. Enfin, enfin, une par une, je veux dire. XXX, c'est pour prendre une à la fois. Sur la manette de GameCube. De Xbox. Oula! J'ai peut-être pas réveillé moi ce week-end. Je peux poser ma bille de bois. Ça m'encombre pour pas grand-chose. Ça déjà. Jardin de pierre. Il faut de la pierre et du sable. Ça peut être rigolo. Je peux peut-être faire le jardin. Sachant que la pierre... Ah non, ils n'en produisent pas encore là-haut. Non. Non, non, c'est pas aussi utile que ce que je pensais. Bon, c'est là qu'il faut que j'aille. D'abord. Une ruche! On va la mettre la plus proche de moi possible, hein, pour le moment. Ça me fait bizarre qu'il y ait un espace de trop dans tous les sens. Alors, souvent, c'est limité pile poil à la bonne taille. Peut-être qu'on pourra améliorer les ruches, elles font une case de plus. Ok, papillon. Non, on ne peut rien faire pour le moment. Juste à son poste, il ne fait rien. Du coup, faut qu'il refasse des stocks de bois. Et le suivant fera les allers-retours. Punaise. Voilà. Pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je vais monter vers mon... stock. Faut que j'aille revoir Cloto vers le bas. Je vais regarder, oui, comment ça se passe du coup. Oh, il y a.
comment se passe mon poste d'extraction avancé. Et je vais voir comment ça se passe ici et après je descendrai directement voir Clotho. Alors, il y a un pot de fer. Il y a pas de... pour la pierre en fait je peux pas, ça va pas être avant un bout de temps, j'en ai que deux ici. J'ai même pas besoin de prendre le charbon, je vais prendre tout ça, forcément j'ai tout pris, du coup Clotho je peux pas lui acheter, donc je vais manger les deux asticots, ça me faisait une place, ça me prenait une place. Elle va me dire toute seule ce que j'ai besoin de lui acheter, sachant que j'ai le sel. Je vais faire la mixture et comme ça sera prêt pour demain aller voir le marchand. Pour aller voir le marchand demain. Bref. Avec une solution de santé. Donc commercer, j'ai du sel chez moi. Et c'est une solution. Donc c'était pas de la poudre. Solution de santé. Fabriquer à décomposeur alchimique pour un zombie ou mélangeur à main. Bah oui, mais ça peut être fait à mélangeur à main. Je sais pas trop avec quoi. C'est pas grave, on en prend. Du cadavre, cette fois on le transforme tout de suite en zombie d'ailleurs. Vu qu'il y a eu la petite cloche. D'abord puisqu'il faut que je prenne les outils. Oui d'ailleurs. Ah j'ai pas pris les sous. 57. Voilà. C'est quoi ça, permis de citoyen? Kit de réparation, permis d'exhumer. Et ça, c'est le certificat d'inhumation, oui. La pierre, je peux la garder. Donc le mélangeur à main, là en bas, apparemment, il m'aurait permis de fabriquer la solution de santé. Mais je ne sais pas comment, j'ai pas de recette. Et peu que j'avais, peut-être avec la gelée verte. Il faudrait sûrement que j'étudie beaucoup de choses pour que ça me libère enfin que ça me donne des recettes peut-être. Mais peut-être que ça me donnera pas de recettes. On verra. On verra. Ce qu'il donne.
coup j'ai un zombie. C'est quoi sa qualité réelle? Mince, attendez, j'ai... J'ai du sel, j'ai du... J'ai du sel et du... Comment ça s'appelle? Et la solution de santé. Mais il n'empêche que je sais pas forcément... je ne sais pas forcément comment fonctionne le... Enfin, comment je nettoie les mélangés? J'ai un peu zappé ça. On va dormir tout de suite. Attendez, j'ai bien ma solution de santé. Le sel, il est pas sur moi. J'ai des trucs qui me servent à rien du coup dans mon inventaire, c'est pas grave. Non, je vais dormir. Comme ça, je testerai tout le matin. J'aurais pu boire le vin cul sec pour être plein d'énergie, tout ça. On verra, c'est pas grave. Je vais bien trouver rapidement comment fallait le faire. Retourner voir Clotho, mais je crois qu'elle me dit pas, elle me le dit, ou elle me le redit pas plutôt. Ça doit être dans les outils d'alchimie un peu plus, ouh ça brûle les yeux, un peu plus évolué. Que je n'ai pas encore. Mais oui, ouais, de toute façon. Mélanger du sel avec une solution de santé. Mais dans le mélangeur à main, il veut pas. Est-ce qu'il me faudrait un chaudron comme les sorcières, du coup? Peut-être qu'il faut que je fabrique ou que j'achète un chaudron. Je voyais plus. Enlever, détruire, enlever, détruire. Non, j'ai pas de... J'ai pas de possibilité d'améliorer ça. Bon, tant pis. Plus amélioré, je pense. Du coup, comment je vais faire pour avoir du bleu? Soit je peux récupérer beaucoup de sable,
Non, pas la table. Pas la table de résurrection. Soit je récupère beaucoup de sable. Super, une erreur médicale. Et je fais avec le sable, je fais du verre. Non, c'est bien comme ça. Je vais essayer de l'enterrer, lui. Beaucoup de sable et je fais du verre. Soit j'avais quelques trucs à étudier, mais du coup ça retarde le moment où je pourrais avoir mes prochains zombies. Oh, colombarium de pierre qui s'est rajouté. Après la pyrite de pierre polie, voilà. Spécialement envie de gaspiller ma foi là-bas dedans. Oui, il faut que je produise, faut que j'améliore l'église aussi pour que la prochaine fois ce soit mieux. Alors, confessionnal, on va faire ça. 16 planches et 6 pièces de fer complexe. Donc on va dire x2. Donc c'est 6, 12 pièces, 12 pièces de fer complexe. Et 16 x 2, c'est 6, 12. Donc 32 planches. 32 planches et 12 pièces de fer complexe. 32 et 12. Tac. Alors, j'ai encore des trucs qui me servent à rien sur moi. Poser ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer ici? Qu'est-ce qui ferait un peu de sens que ce soit pas dans ce stock ici? Le seau de sang, en fait, il sert à rien. Voilà. Et oui, c'était ça que je voulais poser. Alors, ici, on pose. Ouais, j'aurais pu la poser en bas aussi, mais il n'y a pas de place évidemment. Tout ça c'est dehors. Ça. Quoique la viande, c'est ici qu'il faut la poser maintenant. La viande, c'est fait pour faire des burgers. Voilà. Alors, on avait dit beaucoup de planches, 32. De fer complexe. Ah, j'ai plus de. C'est un peu tard, mais c'est pas grave. J'ai plus de fer. Le miel, je l'ai pas posé, évidemment. C'est là que je le pose, oui. Tac, je vais poser le seau de sang au pied du lit. Ça doit sentir bon. Un seau de sang séché. Vin rouge. Non, tout est bon. Un petit pissenlit qui sert pas à grand chose, mais c'est pas bien grave.
Alors, le jour de serpent, ça sert pas à grand chose. Là, j'ai pile. Non. Ah non, après, je peux pas les faire directement ici, les planches. J'en ai combien? On va aller là directement. J'ai 7 planches. Ça, je peux poser. 7, j'en veux 32. 7, 8, 9, 10. Je sais pas. Je sais pas, je vais commencer par ça. Non. D'ailleurs, je viens de voir que je peux mettre infini, du coup, j'avais pas fait gaffe, mais du coup, ça veut dire que je peux mettre les zombies là-haut à dire, ouais, je veux une infinité de coupage de pierre, une infinité de coupage de fer, des lingots, enfin, c'est pas les lingots, mais c'est les... Comment ça s'appelle? Ah, j'aurais dû dormir. J'ai utilisé quelques asticots, du coup. Donc une infinité de... Enfin, je veux que tu me casses la pierre à l'infini. Je veux que tu me casses le fer à l'infini pour que ça fasse comment ça s'appelle? Pour que ça fasse des morceaux utilisables. Que le transporteur, lui, il transporte que ce qui est fait. Que ce qui est coupé. Et du coup, celui qui sera sur le coupe-pierre, il pourra rester là à l'infini, mais il n'aura pas toujours du boulot. Parce que le fer, c'est long à se produire, la pierre aussi, je pense. À la limite, quand il y aura pierre, fer et marbre, peut-être qu'il sera peut-être même un peu surchargé, mais on verra. Et du coup, à l'infini, il va couper la pierre, le fer, et l'autre, il pourra m'en ramener petit à petit. Alors, voilà. Du coup, j'avais dit 12 pièces de fer simples, complexes. Mais il m'en faut du coup 12 simples pour après faire des complexes, je crois. Donc ça, et après, comme ça. Tac, tac. Et là, j'ai plus de fer. Justement quand j'en parlais. Le jour de serpent, il n'y a pas grand chose. Le jour de l'évêque, du coup, j'ai pas préparé de hamburger ou de hamburger ou fait de la bière. Du coup, j'aurais pas forcément grand chose à lui donner. Il veut bien? Non, il veut pas, évidemment. Je vais garder tout sur moi, c'est pas grave. Du coup, je vais dormir, aller le voir quand même. Si ça se trouve, ça me fait quand même avancer. Sinon, ben, faudra que je fasse de la bière. Faudra que je débloque et que j'en fasse. Mais bon, vu que j'ai pas le bleu, je voulais faire ça en attendant. Je vais tester en attendant. Oui. On se remplit les poches de pierre. Faut pas y aller trop tôt parce que s'il est pas encore là, c'est pas très utile. Mais je vais quand même aller le voir avant de mettre les confessionnels. Là, j'ai plus assez de fer. Peut-être récupérer le raisin pour faire du vin. Je vais faire ça en redescendant. Voilà, je pensais que j'étais pas trop tôt du tout, et en fait, il est toujours pas arrivé. Regardez-moi cette tente! Excellent! La populace va adorer!
Et vous avez probablement... Et vous allez probablement empocher beaucoup d'argent. Oui, monseigneur. Vous savez, au début, je vous ai trouvé un peu suspect. Je craignais que vous finissiez par poser problème. J'avais cette étrange impression que votre place n'était pas ici. Mais à présent, vous semblez... Vous êtes parfaitement intégré. Vous faites ce que l'on vous demande de faire. Et le profit signifie tout pour vous. Je pense qu'il y aura une place pour vous, pour une personne telle que vous dans notre monde futur. Dans le monde que nous allons bâtir en ville, un monde de pure foi. Ah, un jour, l'assistance se rassemble. Jouez bien votre rôle et je jouerai le mien. Oui, mais moi j'ai pas de bière, de burger. On va voir si ça ne rapporte des sous quand même. Non, peut-être, je sais pas, non. Oui. Je peux vous prouver ma loyauté. Je suis certain de pouvoir vous prouver que vous pouvez me faire suffisamment confiance pour me confier la surveillance de la colline aux sorcières. En effet, peut-être qu'un jour, je vous accueillerai en tant qu'apprenti inquisiteur. En attendant, je vais attendre vos rapports. Parfait. Il n'y a plus de mission avec lui pour le moment. Il y aura sûrement, dès que je vais remplir... Oh, garde de nuit, succès. Il y aura sûrement à chaque fois que je vais remplir de bière et de hamburger, il y aura une sorcière qui va cramer et du coup j'aurai des sous. Je pense que c'est comme ça que ça va marcher. C'est encore trop rien. Donc garde de nuit comme succès, se débarrasser de l'embuscade des gardes. Vous voici le gardien de la colline aux sorcières. Parfait. Je vais pouvoir étudier ça. Oh, mais en fait je peux regarder deux jours alors qu'il est là. C'est moche. Alors, fabriquer un émetteur. Il me faut une fourchette, un miroir et une bûche à moitié cramée. Ça s'appelle comment ça? Fourchette salée, miroir de l'orgueil. Charbon ardent éternel. Et ben. Et pour fabriquer un canon, il va me falloir un sextant doré, un carnet infini et un collier. Alors, dans les 6 objets, il y a juste le collier qui m'a l'air d'être facile à retrouver. Ça va être la mission entre Serpent et Mademoiselle Charme, très certainement. Et dans les autres outils, c'est possiblement. Les outils que j'ai déjà à moitié demandé à Serpent alors que je les connaissais pas encore. Mais bon, vu que ça date, et même pour vous normalement, même si vous regardez les vidéos, d'un coup ça doit dater un peu. J'en ai sur moi. Si j'ai des choses sur moi, c'est pas bon. Je repose. Oui. Et oui, il parlait de la ville. Ça veut peut-être dire que bientôt je pourrais aller en ville. Ou peut-être pas. On verra. Oui. Si je vais quand même. Non. Je vais me faire un peu les plantes, comme ça je pourrais faire des cordes et augmenter mon bleu facilement. Même si les cordes... Oh. Même si les cordes sont... comment dire... Enfin, j'en ai pas une vraie utilité pour le moment, quoi. Oh, il en manquera une. Oh, la poisse. Faut que j'ai des meilleurs engrais. Pour faire une production un peu plus... forte. Alors, qu'est-ce que je peux me débarrasser? Là, j'ai trop d'objets sur moi. Hmm.
sous-sol poser le raisin au moins. Ça fera deux places. Je pourrais peut-être m'arranger avec ça. Et mettre le... plus tard. Le but c'est pas de faire du vin tout de suite. Le but c'est les plantes d'abord. Alors voilà. Non, c'était le mauvais. Voilà. Voilà. Là le chanvre. Donc là je peux pas planter deux chanvres. Je vais mettre... non, pas le chanvre, ça sert pas à grand chose ici. Ah mais j'ai des graines d'oignon argent... bronze. Ce serait peut-être bien de les utiliser quand même. Ça me permettra pas de faire des burgers. Ce sera toujours ça. J'ai mes planches. J'ai pas encore mes pièces de fer complexes. J'ai du chanvre qui ne me sert pas tout de suite. Et de quoi faire mes pièces. Et des oignons. Voilà, les pièces de fer complexes. On verra après. Faudrait que je me prévoie de faire pas mal de mal aussi. Ce serait bien pratique d'en avoir quelques-unes. Donc je garde les pièces de fer complexes, les planches, faut que je pose les oignons. Et ça, faudrait que je pose au sous-sol aussi. Mais pour le moment, dodo. Coup. Alors, parce que boire de l'eau, c'était important. Enfin, c'est toujours, mais... Voilà. J'ai toujours mes oignons sur moi. Je voulais poser les histoires, mais là je peux pas poser parce que elle est de trop bonne qualité. Enfin, j'ai plus de place quoi. Les oignons, je peux poser. Je peux pas poser non plus. Très bien. Je peux poser ça en fait depuis tout ce temps. Je vais me garder le miel sur moi. Non, c'était bien de tout prendre. Et là, faut que je pose tout sauf 4. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Enfin, en tout cas, la manette, peut-être que clavier, souris, mais j'ai un peu la flemme. Il n'y a pas moyen de déplacer un lot, un slot de... Un slot de comment ça s'appelle, bah, juste une case quoi, tout ce qu'il y a mais dans une case. J'aurais pu passer par dehors, mais je sais pas, j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que j'ai enfin débloqué, mais si c'est plus rapide de passer par les sous-sols. J'ai l'impression, peut-être pas pour le... Non, c'est pas ici. Peut-être pas pour le... Comment ça s'appelle la morgue. Mais pour le reste, ça me paraît plus rapide. Enfin, pour faire maison église, ça me paraît plus rapide les sous-sols. Confessionnal plus 7. Personne n'est venu se confesser, d'accord. Est-ce que ça sera juste les jours de...
Juste les jours de... Comment ça s'appelle? Bah demain en fait. Là on est le jour de l'astrologue, mais demain le jour du soleil, du sermon. Du coup demain on peut parler à l'évêque, si je dis pas de bêtises, pour améliorer. Du coup moi ce que je vais essayer c'est le mélangeur à main avec le miel. Voilà, fabriqué. Et ça fait des solutions d'accélération. Voilà. J'aurais oublié bientôt, mais c'est fait. Là, évidemment, il n'y a plus de place. Pressoir, tonneau, machin. Malle. 4 clous, 3 pièces de fer simple et 4 d'os. J'ai pas retenu. Des solutions d'accélération. Et là, on refait du vin de qualité bronze, normalement. Le miel, j'en ai pas force. Hein? Je me souvenais pas que j'avais du. Enfin, ou alors j'ai pas fait gaffe depuis tout ce temps que j'avais du vin de bonne qualité sur moi. Je vais poser le miel ici, à côté de la cire. Il faudrait que je pense à utiliser ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder l'émission, parce que avancé, là, on a pas mal industrialisé. Enfin, en tout cas, la collecte de bois et la récupération de pierres, même si on la ramène pas ici pour le moment. Ça me fait penser que le. Hop là. Je pourrais retirer le stock de pierres ici. Parce que je vais pas produire des cailloux, des grands cailloux, alors qu'il y en a partout des petits, pour les casser, alors que les zombies vont pouvoir faire tout ça tout seul là-haut. C'est peut-être un peu tôt pour le faire, surtout que j'ai encore des cailloux sur place. Alors, une malle, on a dit. Je vais essayer d'en produire deux. Donc les doses, j'ai assez. Il me faut une pièce de fer simple et 5 pièces de fer 5 clous. Oui, clous. Donc 6 clous et une pièce de fer simple. Je vais en mettre au moins une au sous-sol parce que là c'est vraiment encombré. Et je sais qu'il y a un autre endroit où je voulais en mettre, mais là tout de suite j'ai plus. Je ne sais plus. C'était combien? Il me manque un clou. Non, c'est bon, j'ai un clou de trop. Et deux pièces de fer simple que je peux poser. Un clou ici, non deux, et les doses c'est combien? C'est par 4 aussi, donc il me faut aussi 8. Voilà, on ne prend même pas toute la place. Voilà.
Ah, j'aurais peut-être pu en faire une plus à gauche. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Les solutions, on va les mettre en bas. On va mettre le sel aussi parce que c'est prévu. Voilà. J'ai déjà tout mis. C'est ce qui va pour la potion d'épices. Enfin, pour faire des épices plutôt. C'est pas une potion. J'ai pas pris la prédication. Toutes les. Voilà. Je pourrais mettre les cordes aussi. Les bougies et ça. Et. Voilà. C'est peut-être pas hyper bien réparti, mais. Non, je pose tout. Et je reprends 6. C'était l'inverse. Tac. Je pose tout sauf 6. Voilà. Là, je pose tout. Je pose tout. Quoique le chanvre. Je vais me faire quelques cordes. J'ai pas de cire pour faire de la bougie. Du coup, c'est peut-être pas très utile. Enfin, la cire est là-haut. Du coup, il faut que je descende la cire d'ailleurs. J'ai encore beaucoup de temps. Tac. Non, bah, du coup, je vais fabriquer les bougies, tout ça. Je vais essayer d'impressionner un peu notre évêque avec une église à. Oula, j'ai mangé sans douleur. À beaucoup. Alors. Ah, il faut la graisse aussi, j'ai oublié ça. Voilà, petite production. Je vais récupérer la graisse, du coup. Et me coucher. Non, on a combien de cires? On a 4 cires. Est-ce que je l'ai étudié? J'ai commencé par étudier la cire. La greffe, c'est ce que je l'ai étudié, oui. Alors, on va poser tout sauf 4. On va étudier la cire, faire des bougies, faire la. Non, avant de faire le sermon, non, ouais, je vais juste étudier, remonter, j'ai oublié de prendre les bougies, je voulais les mettre, j'ai pas la foi sur moi, oh. Je vais prendre les bougies en même temps, c'était 4, ouais ça devait être 4, les bougies. Je crois que 2 suffiront. J'ai pas assez. Non. Bon. Du coup, je pose les bougies. Et je vais voir l'évêque. Oh, quelqu'un qui prie. Ça fait quoi? Il m'a donné une histoire et un de foi. Ah, je peux. C'est pas grave. L'église a belle allure.
L'église resplendissant entre votre... Non. L'église si, votre sainteté. Je sais plus c'est lequel qui a parlé, désolé. Ce n'est rien comparé à la cathédrale de la ville, mais pour une petite église, ce n'est pas mal. Encore quelques petites étapes et nous pourrons améliorer cette église. Merci. Ah, je peux lui vendre ça. Après, je serai dans la merde parce qu'il faudra que j'en produise une. J'ai les bougies sur moi. D'accord, il veut pas les acheter, les bougies. Mais il m'en vend une à une pièce d'argent. C'est scandaleux. Bon, ça sera... du coup, ça servait pas forcément à grand chose de le voir tout de suite, parce que je pense que ça va être dans la semaine que ça va s'améliorer. Bon, on verra. Au moins c'est fait et je regrette pas si c'était une amélioration immédiate. Ah oui, 4 de fois tout de suite. Ah oui, bah non, je regrette pas de lui avoir parlé avant d'avoir fait le serment. Ah oui, et là du coup, dilemme. Gros dilemme. Non, il n'y a rien de plus. Seulement 51. Je croyais qu'il y en avait beaucoup plus du coup. D'accord. Lui, pour le débloquer, va falloir lui donner du poisson. Rouge de qualité bronze. Du coup, il faut que je pêche du poisson rouge. Et qualité bronze ou argent, ça sera soit le baron des gitans, soit l'évêque. Pour pouvoir avancer avec lui. Du coup, dilemme, parce que j'ai 7. J'ai 7 de fois, je dois en avoir 3 dans le coffre. Du coup, soit je refais vivre un zombie, soit je fais ma recherche sur la cire. Je pense que je vais quand même faire la recherche sur la cire. Non, ça valait que 2 et pas 4, c'est pas grave. Fluide et essence. Et attendez, si cet objet peut être décomposé en fluide, ça veut dire que je peux prendre de la cire d'abeille et fabriquer une potion de... Enfin, une solution de... j'ai pas assez de place dans mon inventaire. et du coup... j'ai pas posé les bougies là-haut. C'est dommage, mais je crois que ça servait à rien. Peut-être pas. Mais c'est trop tard. Du coup. On a 8. J'ai dépensé 2 pour étudier la cire. Alors. Le chanvre, je peux le reposer. Les bougies, j'en ai plus besoin. Oups, si, peut-être, en fait. Je vais en prendre 2. On va tester. Enfin, ça sera pas vraiment un test, du coup. Ça sera pas un test parce que j'ai pas... Faudrait que je teste une semaine sans mettre de bougies. Voir combien de personnes vont dans les confessionnals. Dans chacun des confessionnals. Confessionnaux, je sais pas. Il faudrait que je les étudie aussi, du coup. Ça fait beaucoup. Peut-être que c'est comme ça que j'aurai la recette d'air. Donc une semaine sans bougie, voir combien de personnes vont se confesser, voilà. Une semaine avec bougie, voir combien de personnes vont se confesser. Et voilà, une église à 23. C'est magnifique.
Alors une histoire d'or. Faudrait peut-être que je fasse des livres, tout ça. Pour le moment, je me concentrais sur la matière première. C'est déjà pas mal. Du coup, j'ai 8, donc ça sert à rien de demander tout de suite un zombie. J'ai de quoi faire des mâles, mais je sais pas. Je sais pas encore trop quoi faire avec des mâles. Enfin, où la placer. Tac. Ça, je pense que je peux en poser un. Comment je vais finir mon énergie? Je vais peut-être faire des plantations. C'est pas encore prêt. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai pas en trop dans mes plantes? Qu'est-ce qui est un peu intéressant de récolter? Alors un peu de blé, je peux récolter un peu de blé. Et après, c'est un peu tout quoi. Le reste n'est pas stocké ici. Récolter du blé. En fait, c'est long, mais ça ne prend pas beaucoup d'énergie de faire des plantes. C'est sûr que j'allais récolter beaucoup trop de blé. J'ai pas posé. Je pose tout là-dedans, comme ça j'aurai pas à revenir. J'ai un de tourbe. Du coup, je voulais mettre un peu de tourbe chez les raisins, mais c'est pas trop la peine. Alors, le blé est ici. Blé. Et j'ai pas assez. J'ai un peu de chance, le champ aura. C'est fini exactement en même temps. Et en plus, j'ai même récolté une graine de plus que ce que j'en avais planté dans l'un des espaces à chanvre. Ça, on stocke. Je vais couper la pierre en morceaux. Comme ça, j'aurai plus de stock de pierre ici. Je sais pas si c'est rentable. En fait, je sais pas si ce qui est le plus rentable entre faire un stock de fer là-haut et un en bas, et du coup avoir un zombie ici que je déplace régulièrement de poste en poste, ou le faire moi-même, ou de transporter les matériaux déjà prédécoupés ici. Mais retourner voir les zombies, c'est plus compliqué. Peut-être que j'en aurais pas besoin d'aller les voir en fait. Je ne sais pas trop. Le nécessaire, un chamicule. Si je peux poser les pierres. Le chanvre, le blé. J'ai combien de bleus du coup? 17. 17. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, le... Voilà, le brassage. Et en plus, avec 17... Ah, oh, c'est quand même près... C'est un peu près de 20, quoi. Ça donne envie. Bah, je fais rien, pour le moment. On va récolter un peu de sable. J'ai de la place dans mon inventaire. Oui. On va récolter un peu de sable. Ce qui nous fera aussi... grâce au vert des essences bleues. Allez, casse-toi, comme ça je pourrais passer par là quand j'en veux, quand je voudrais. Normalement ça repousse pas la pierre. Ça va me donner sable de rivière, c'est bien ça? C'est ça. Et on va finir ça, notre énergie et l'épisode là-dessus. Ah, quoique on pourrait regarder quand même les... L'abeille. Non, tu veux pas? Si, c'est bon. On va regarder quand même qu'on...
les abeilles. Peut-être la production de bois aussi. Alors, c'était où? Là, je suis aveugle. Je le voyais d'en bas, mais en remontant, je ne le voyais plus. Oui. Ah, du coup. De la cire et du miel. En fait, je remplace un asticot qui vaut 2 pour un... pour une baie qui vaut 2 d'énergie aussi, je crois. Ouais. Donc ça, c'est pour montrer à quel point c'est pas très très rentable de... en fait, récolter pour manger, non transformé en tout cas. Ça ne m'avance pas à grand chose. Ça, je le ferai au prochain épisode, vu que j'en ai parlé. Et ça sera pas plus mal. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces. Je peux voir les commentaires sur Peertube, YouTube. Et à très vite.